No! I'm feeling high. Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing mode. Mais avant ça, je vous souhaite de passer des bonnes soldes. Sachez que si vous voulez faire des achats en ligne, passez impérativement par Ygrel. Ça va vous permettre de gagner de l'argent sur vos achats en ligne. Et en plus, c'est les soldes, donc forcément on va faire des achats. Donc n'hésitez pas à aller checker. Mon lien de parrainage est dans la barre d'infos. On commence maintenant la vidéo avec un unboxing avec Stamp Privé qui m'a gentiment proposé de choisir une dizaine d'articles à vous présenter. C'est ce que je vais faire maintenant, donc c'est parti. Je me rappelle plus du tout ce que j'ai pris, donc ça va être la surprise ensemble. Donc là j'ai tous les articles devant moi, je vais vraiment vous donner mon avis à chaud sur ce que j'ai eu, je vais aussi les essayer. Et bah, c'est parti, je vais reposer ça. Le premier article de cette commande, c'est ce pull loose qui est taille unique. Je le trouve assez sympa. J'adore les pulls assez larges où on est assez confortable dedans. Vous mettez plein de petits colliers de ce style avec. Vous retroussez les manches, vous mettez dans votre pantalon. Et tout de suite, c'est assez sympa. Le derrière est plus grand que le devant. Ça, c'est un petit détail. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, peu importe. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est resserré au niveau des manches. Donc ça, j'aime beaucoup. Au niveau qualité, rien à dire de particulier. Ça semble plus que correct. Le deuxième article, c'est cette veste façon un petit peu moumoute à l'intérieur avec le col comme ça. Je trouve ça super beau. La matière, c'est un effet un petit peu jean. Vous devez le voir à la caméra, c'est pas tout à fait noir. Tout l'intérieur est en moumoute, sauf les manches. Mais c'est déjà pas mal. Ça a l'air assez épais. On a des petites poches sur le devant, donc ça c'est chouette aussi. À voir comment ça rend porté, mais c'est assez joli. Vous retrouverez tous les liens des articles dans la barre d'infos, évidemment, ça va de soi. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez un coup de cœur. D'ailleurs, j'ai envie de faire un lookbook, je sais pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un ou si ça vous plaît pas, si vous trouvez ça chiant. Dites-le moi, je verrai en fonction de votre demande. Voilà. Le troisième article, c'est ce pull et il regroupe pas mal de choses que j'aime bien, c'est-à-dire le côté un petit peu cache-cœur et puis la tendance du lacet comme ça avec des œillets. C'est super joli, le fait que ce soit un peu de côté, je pense que ça rend pas mal du tout. La couleur est aussi très belle, enfin moi c'est une couleur que j'aime beaucoup en tout cas. C'est une matière assez près du corps, à savoir si vous n'aimez pas. Et encore une fois, c'est une taille unique. Je vous dirai à la fin de la vidéo si ça m'a posé un problème ou pas au niveau de ma corpulence. Je veux dire, entre quelqu'un qui fait du S et quelqu'un qui fait du L, c'est pas forcément pareil. Sur certains articles, ça va pas être gênant, mais sur d'autres, c'est peut-être un peu plus problématique. Ensuite, il y a un article que je pense ne pas avoir demandé, ou alors en tout cas, c'était pas dans cette taille-là, parce que je porte pas ce genre de sac. On va regarder. Tadam ! Alors, j'aime tout dans ce sac, sauf sa forme et sa taille, on va dire. J'adore la couleur, j'adore le côté un petit peu piton. Comme ça, assez joli. En plus, je pense qu'il prend bien la lumière. Ça fait une jolie touche de couleur quand on porte le sac à main. À l'intérieur, vous avez une sangle comme ça pour le porter un petit peu plus long. C'est comme vous voulez, à l'épaule ou au bras. Moi, je préfère au bras quand c'est des plus gros sacs. À l'intérieur, c'est assez sympa parce que vous avez trois compartiments. Donc ça, c'est plutôt cool quand vous êtes une fille comme moi et que vous avez beaucoup de bordel à mettre dans vos sacs. Et il y a une fermeture comme ça. À balai voleur. Après, je l'ai peut-être choisi parce qu'il était rouge et qu'en ce moment le rouge c'est ma couleur phare. Je porte ça tout le temps, même dans mon compte Instagram on voit du rouge absolument partout 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 partout, c'est abusé. Mais bon, voilà, bref, je vais voir si j'arrive à le porter ou pas. En tout cas, je sais qu'il peut plaire à pas mal de monde et la qualité, ma foi, est cool. L'article suivant, c'est ce body et je m'en rappelle maintenant, je le trouve tellement joli. Je suis trop contente, la matière est un peu élastique et c'est rembourré comme ça. Donc c'est bien même pour les filles qui ont une petite poitrine. Dans le dos, c'est un petit peu donu légèrement. C'est à bretelles, c'est pas réglable par contre au niveau des bretelles. Par contre cette fois, au niveau de la taille, vous choisissez S, M ou L. La paillette n'a pas l'air de coller au corps, c'est cool. Et le body, on peut le fermer de là, donc on n'est pas obligé de le passer directement par les pieds, ça c'est assez chiant. Donc voilà. Ça se clipse, ça c'est cool aussi et franchement il est trop beau, je pense que ça fait un super beau décolleté, oh my god. Ouh. On a donc ensuite, comme je vous l'ai dit, le même en noir pailleté, pareil, trop joli, franchement ça pour sortir c'est trop beau, avec plein de colliers et plein de pendentifs, j'adore. Je pense que c'est le coup de cœur de la commande pour l'instant et je pense que ça le restera, j'adore. Mais je me suis lâchée sur des trucs complètement what the fuck, je m'en rappelais même pas. Telle douceur est-elle envisageable? Je me rappelle pas du tout, mais j'ai pris cette veste moumoute. Je pense que je l'ai pris pour squatter chez moi parce que la douceur de ce truc est incomparable. Je pense réellement,
C'est pareil, c'est des tailles taille S, M, L, XL, donc ça c'est bien. Même l'intérieur est trop beau, non mais regardez. Je pense que de base c'est une veste pour sortir, donc je pense pas moi que j'oserais sortir avec. Par contre pour rester chez moi, clairement, oui, oui, fois 1000, mais vraiment, je vous rendez pas compte de la douceur. Il y a une capuche pour faire un peu la tug et pour se cacher des films d'horreur quand ça fait peur. Mais franchement j'adore, qualité au top. Et moi j'ai pris une taille, L. Voilà. Ah, je me suis fait mal. J'ai ensuite pris ce jean avec... Eh non mais ça suffit. L'article suivant c'est ce pantalon avec des œillets sur les côtés. Je le trouve vraiment joli. Au niveau du bas du pantalon c'est comme ça. Et j'adore moi avec des bottines. C'est trop trop beau. Désolée si vous entendez du bruit de plastique. C'est Roméo qui s'excite avec le plastique qu'il y avait dans le colis. C'est n'importe quoi. Et le petit détail de devant, l'œillet. Le dernier article, il s'agit d'un pull. J'ai jamais vu une douceur pareille pour un pull. La matière a l'air hyper légère. Enfin, je veux dire, en tout cas, le toucher est super fin, super soyeux. Alors, je sais pas du tout la matière. Il n'y a pas écrit, je crois. Je l'ai pris en tout cas en taille ML. Donc, pareil, assez large à porter, rentré dans un jean hyper fluide. J'adore. Et le petit détail, encore une fois, c'est les œillets. Cette fois, je pense que cette vidéo est dédiée aux œillets et aux brillants. Vous voyez. Donc, vous avez un petit fil, une petite lanière. D'ailleurs, vous pouvez en changer comme vous voulez. Si vous voulez mettre de la soie rose ou noire, par exemple, à votre guise de le faire, franchement, vous pouvez. J'adore le fait que ce soit un col comme ça, qui a l'air assez serré au niveau d'ici, un petit peu comme celui que je porte aujourd'hui. Donc, franchement, il y a facilement 4 articles coup de cœur dans cette commande. Donc merci beaucoup à Stand Privé de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'espère que pour vous qui ne connaissiez pas, ça a été une vraie découverte et je vous invite à aller voir ce qu'il y a dans la barre d'infos. Il y a tous les articles que je vous ai présentés et je vous mettrai le lien du site en général pour que vous puissiez aller voir de vous-même. Vraiment, il y a plein de choses pour tous les goûts. Vous pouvez forcément trouver votre bonheur, que vous ayez un style classique, beau, trendy... Bref, peu importe, rock, n'importe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. Passez aussi de bonnes soldes puisque aujourd'hui c'est les soldes et que aïe aïe aïe, ça va faire mal au porte-monnaie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !